Grazie per allora, se non ti sono risolto il tuo, se non ho visto il senso del tuo, tu non hai detto che non hai posto il nostro sito. Papà, se non ti sono risolto il tuo, si passa il tuo, si chiama di avere una video su di te, e se ton fils qui est présenté ici en main, on expliquera bien sûr qu'il y a un ouvrier qui n'est pas là car il est dans Belgique, car là, ses fils, donc les fils de Trésor Dominicain, les mains des frères de Dionysos, qui vous avez présenté en main cet après-midi, vient d'être agréé hier, ce matin même au SDS. C'est le produit, premier produit agréé de Trésor au sud du groupe Belge Jaune. 3 ans qui vient d'être agréé. Et donc vous avez son frère ici, Dionysos de Vercon, et donc c'est eh bien la génétique de Trésor de Vercon, la journaliste mise à l'honneur ici. Alors Trésor, bien sûr, 9 ans, ISO 152, le centre de cachemire, bien sûr, au service de l'élevage, un centre caché qui coule dans les mêmes de ce magnifique étalon, Trésor. Un bon centre de qualité, brillant depuis l'âge de ses 4 ans. Il a mis en 2014 une fabuleuse saison de 7 ans, terminant 4e du championnat à Fontainebleau. D'un caractère facile, il possède un modèle et une parfaite technique. Gageons qu'il séduira bon nombre d'éleveurs exigeants. Un trésor pour vos juments, sans moins. Roger Le Beau. Les premiers produits de trésor prennent 4 ans cette année, en 2016. On va donc les découvrir cette année. Ils ont tous hérité de sa jolie tête, du sang, de beaucoup de chiffres, des sangs très âgés de grande qualité. Pour les performances, donc, je vous rappelle, quand vous voyez, Dionysos de Vercon, là en main. Je vous rappelle que son frère, donc Dionysos, le premier fils de Trésor, a été approuvé hier. Et donc, en ce qui concerne le papa, c'est le champion, futur champion Trésor de Vercon. En 2014, il est entre autres 4e du championnat de France et 7 ans à Fontainebleau, 2e au Grand Prix d'Auvergne, 3e au Circuit d'Auvergne, l'année dernière en 2015, classé à Sancourt, à Mâcon, à Valence, également sur les sites d'Aquelaine. Voilà, tout ça sous la scène de bien s'occuper, vous découvrez sur les grands géants. Un petit mot. On va laisser la parole donc pour Dionysos de Vercon et donc Audaça pour Trésor de Vercon. Bonjour, Dionysos, c'est l'avantage pour être témoigné, il y a fin de témoignage. C'est le 10e Trésor de Vercon que j'ai à la maison pour être témoigné. Ils sont tous à l'image de Trésor, c'est-à-dire. Vous remarquez par 3 ans, très gentil, il n'a peur de rien, du sang, un beau modèle et de la force. Donc je pense qu'on sera surpris de la qualité de production de notre trésor. Il y a surtout un phénomène que vous verrez à la tournée internationale cette année avec Guillaume Foutillier, qui s'appelle Gauvin de Pérose, qui vient d'être approuvé hier au SBS et qui est maintenant plus que. Merci beaucoup. Voilà, on va découvrir encore quelques instants en main. La génétique donc de Trésor de Vercon, l'élevage belge de François Manu et de Marc Disclay. Et je vous rappelle donc son frère hier, Gauvin Ross, qui vient d'être approuvé au SBS. Et là, c'est actuellement 10 épisodes de Vercon que vous suivrez en main. Regardez son papa, Trésor de Vercon. Regardez cette galopade. Avec notre cabinet régional. Merci beaucoup. Dionysos de Vercon pour représenter son papa, Trésor de Vercon.